Bonjour, bonjour. Je suis peut-être un petit peu en avance pour ça. On en reparle dans quelques semaines. Les amis, comment allez-vous? J'espère que ça va. J'espère que ça va très très bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo Gacha Live. Vous avez été très très nombreux, comme d'habitude, à me dire « Sora, quand est-ce que tu fais Gacha Live ?» Eh bien, c'est aujourd'hui. C'est day, the moment, it's right now. C'est une intro beaucoup trop longue et en final qui n'a pas grand intérêt. Donc, mets-moi un jingle, on est parti pour une vidéo réaction Gacha Live. C'est vrai que c'est un style de vidéo que vous me demandez beaucoup et je vous ai demandé, il n'y a pas si longtemps que ça au final, de me faire des Gacha Life avec comme titre hashtag Sora Gacha. Vous avez été très très nombreux à en créer et je vous en remercie, c'est énorme. Et ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais refaire une vidéo réaction Gacha Life pour décembre sur le thème de Noël. Donc, tous ceux qui se sentent grave chaud de faire des Gacha Life spéciales, moi, notre univers, etc. avec le thème de l'hiver, de Noël, eh bien n'hésitez pas à créer vos Gacha Life avec dans le titre hashtag Sora Noël. C'est super important, si vous mettez pas ça dans le titre, je pourrais pas vous trouver. Du coup, n'hésitez pas, mettez hashtag Sora Noël. Et ceux qui ne créent pas de Gacha Life, n'hésitez pas à mettre hashtag Sora Noël dans YouTube, de chercher les Gacha Life les meilleurs, et au final de les liker, de les partager, etc. Comme ça, plus auront de vues, plus je pourrai les voir, et plus ce sera super cool, et plus, eh bien, on pourra avoir une vidéo sympa pour Noël, ce serait trop cool. Bref, on a 4-5 vidéos pour aujourd'hui. Eh bien, on va commencer par la première, qui est Dieu. Dieu. Ça commence bien au niveau de mon ego. La vidéo a 82 000 vues, 8 000 likes. Je vais liker, j'ai mis un pouce bleu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre vous aussi un pouce bleu, les amis, ça me fait super plaisir. Ouais, bah, n'hésitez pas. Non, je mets des pouces bleus, mettez des pouces bleus aussi. Hein. Allons-y pour Mei, animation Sora devient Dieu. Ça me plaît beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous regardez Mei animation. C'est génial ce que t'as fait, c'est trop bien, c'est trop bien. Il l'a voulu. Mec, il y a une intro, il y a une cinématique au début. C'est incroyable. Quelqu'un ici peut faire un Gacha Life où je suis extrêmement viril, où tout le monde me respecte, où je suis vraiment un dieu vivant. Ah, trop bien, mec, c'est vrai que je l'avais dit. C'est vrai que je l'avais demandé, c'est génial. J'accepte le défi, énorme. Devant vos yeux ébahis. Maintenant, right now, ahora, jest, jigum, ima, venastasio, vremia. Bon, tout ça pour dire maintenant tout de suite, quoi. Oh, je suis fatigant. Me voici, moi-même. Je suis où? C'est une excellente question. Je suis mort? Ça aussi, c'est une excellente question. C'est le paradis ici? Ah bah c'est pas ouf hein. T'es pas mort, Sora Tata. Ah ouais, non, vraiment y'a zéro respect quoi, ça part sur un Sora Tata. Yes, bah merci. Quoi, Sora Tata, c'est pas mon vrai prénom? Je sais, mais ça me fait marrer. C'est drôle hein. Eh bah j'enlève mon pouce bleu. C'est faux, je suis pas si méchant que ça. C'est faux, ça va. C'est parce que tu vas devenir Dieu à ma place pendant 2 mois. Oh, le truc de ouf! Je pourrais faire ce que je veux! Bah ouais, c'est le concept de Dieu. Par contre, on détruit pas la Terre. Ah bah. Mince alors! C'est ce que je voulais faire! Ouais, t'inquiète pas! Regarde sa tête! Je lui dis, ouais, t'inquiète pas! Avec cette tête-là, mec, à aucun moment je me ferai confiance, à aucun moment! Et qu'est-ce que va répondre Dieu? Il va quand même se méfier de moi! Bon, allez, bye, je te laisse! C'est pas très méfiant ça, Emma, hein? Niveau méfiance, on est pas loin du coup, non? On est pas ouf! Ouais, c'est pas ce que je pensais. Tu me ferais confiance, toi, Emma, évidemment! Tu vas perdre la moitié de ton salaire. Ah, on est d'accord que tu me fais confiance. Bah bien sûr, j'en étais sûr. Tu vois, je savais qu'il y avait un truc entre nous. Première semaine en tant que dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Quel va être mon premier décret? Quelle va être ma première décision? On va la prendre tout de suite. Sora a décidé d'enlever les sourcils de tous les humains qui avaient trouvé ça inutile. Remets-moi ça tout de suite, Emma. C'est pas drôle du tout, d'accord? Et c'est bien plus utile qu'on le pense, ok? Quelle idée de merde, ça commence très bien. Ah, ma vie est foutue. Ils ont tous perdu leurs sourcils. Oh mon dieu, mais quelle catastrophe. Troisième semaine en tant que dieu. Sora décida de faire disparaître des humains au hasard car elle s'ennuyait. Je suis vraiment un bâtard. Je suis devenu Thanos. Comme ça. Oh! Quelle synchronisation. C'est fou. Est-ce que je serais vraiment dieu? Eh oh. Bah c'est ouf. Je crois que je suis devenu dieu. Je crois que je suis vraiment devenu dieu. Du coup mon premier décret sera que vous vous abonniez à cette chaîne et que vous mettez un pouce bleu. Putain, je suis vraiment un escroc quoi. Je rate aucune occasion. C'est vraiment n'importe quoi. Un mois en tant que dieu, la moitié du temps de mon règne, Sora a décidé de faire tomber des gens random amoureux. Ça, alors ça par contre, ça pourrait être carrément être un truc que je ferais en tant que dieu. Ce serait extrêmement drôle quand même. Je sais pas, genre tu fais tomber genre Emmanuel Macron et Jon Snow. C'est extrêmement drôle. Ça me ferait beaucoup rire. On se pourrait mettre, je sais pas moi, Dooms avec Cyril Hanouna. Ça pourrait être très drôle aussi. Je t'aime, viens, on se marie. Ok. C'est la demande en mariage la plus facile au monde. Sora a décidé de transformer toutes les filles en Yandere car il aime Yandere Simulator. Bah très très bien, bah très bien, nickel, bah c'est pas trop flippant ça va. Mais ça a pas marché, toutes les filles sont entretuées et il y a plus que des garçons sur Terre. Oh non! Mais qu'as-tu fait? Il y a plus que des garçons sur Terre! T'as touché mon senpai? Non, c'est toi qui as touché mon senpai! Meurs!
de moi en tant que dieu. Putain, j'ai foutu la merde. Ah bah oui, forcément, c'était les carrières, c'était les cataclysmes. Ça n'a aucun sens. Sans ratata, qu'est-ce que t'as foutu? Rien. Oh, hey. Juste parce qu'on me parlait de mon style absolument incroyable. Emma, je veux tout de suite la même chose. Est-ce que j'ai pas un style absolument extraordinaire là? Je ne suis pas concerné par tout ça, oh là là. Adieu. Adieu. En fait, il dit ça, adieu. Enfin, il dit adieu, adieu. C'était grave bien, j'ai adoré. Je l'ai trouvé grave cool le Gacha Life. Franchement bravo, meilleure animation du coup. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu ou quoi. C'était vraiment très sympa, en plus 8000 pouces bleus pour 105 pouces rouges. C'est que quasi tout le monde a aimé, bravo. C'était vraiment très cool. Le prochain Gacha Life s'appelle Sora n'a pas de chance. Est-ce que ce serait pas un peu l'histoire de ma vie? De Yumi-san avec 63 000 vues et 3300 pouces bleus. Et bah écoute, je te mets un petit pouce bleu et on y va, c'est parti. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de chance? Alors, là on a Fritz, Marie, c'est quoi ces yeux, Marie? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a Toomz, juste ici. Ok, ils sont bizarres. Bon, bah, je vais chez moi jouer à Fortnite. Ah, d'accord, donc vraiment, c'est. Il y a vraiment zéro détermination, quoi. C'est zéro effort. Ah, on a Oka qui est juste ici. Ok, récupère quelque chose. C'est quoi ce plan? Ah, elle a mis une lettre! Lise, chère Sora, sache que je t'aime vraiment beaucoup, un peu comme si je voulais t'épouser. Un peu comme si je voulais t'épouser, mais pas trop. Un peu, mais pas trop non plus. Alors rejoins-moi sur le cerisier. Oh, signé Oka. Ah, ça me plaît, ça. Hein. Ah, là, il est content, Maxime. Il est content, Maxime. Il est même un petit peu trop content, même. Qui sent la douille arriver? Attention, n'hésitez pas à voter ici. Vous avez quelques secondes. C'est bon. Et on continue maintenant. Alors, je suis très content. Mais pourquoi Toomz encore? Mais pourquoi tu viens toujours me taper? Mais pourquoi tu me tapes toujours Toomz? C'est quoi ça? J'en ai marre de faire victimiser dans tous les gacha live possibles et inimaginables. Quoi? Mais ça me tue ces plans là. C'est quoi ces zooms de la mort là? Ça me tue, j'adore. Elle va me marcher dessus. Attends, elle me marche dessus. Elle m'a achevé. Marie, tu m'as achevé. À quel moment? Grosse virilité. Ça va continuer comme ça. Un gros plan, voilà. Et évidemment, et tu continues à me marcher dessus. Attends, si, il m'aide, c'est un pote. Gros. T'es vraiment une merde. Bah grosse amitié en tout cas, c'est cool. C'est quoi ces gacha live là? C'est quoi ça? Ah, je suis relevé, je suis pas mort en fait. J'arrive. Je suis là. Pourquoi je me suis pris une gifle? Ça fait 3 heures que je t'attends. Est-ce que c'est ma faute? Bah non en fait, non. Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une double? Pourquoi il y a une deuxième Oka qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Waouh. Et merde. C'était au sein depuis le début. Et y'a Yano qui arrive. Et elle tue Osana. Ça n'a plus aucun sens. Elle traîne Osana, du coup elle se tire avec. Et moi je reste là. Transition mouchoir. Ah génial. Trop bien, bravo. Oh y'a Kairi. Oh elle me manque, cette petite boule de poil. Ça fait longtemps du coup. Bah, forcément du coup, tout le monde qui laisse pas forcément, mais du coup Kairi n'est plus là. Kairi a rejoint le paradis d'Amster. Yes, bah grosse ambiance dans cette vidéo, en tout cas c'est vraiment cool. C'est des choses qui arrivent, elle a vécu très longtemps avec moi et je suis très content, on continue. Ça m'avait plaisir en tout cas d'avoir un clin d'œil d'elle. Sora, je t'aime. Oh, avec des petites fleurs de cerisier. Bah au final j'ai de la chance, non? Et toi, m'aimes-tu? Ah bah là je pense que c'est pas de l'amour, Sora, mec, gros, c'est quelque chose. Je sais, tu m'aimes pas. Gâche pas tout. Râle pas derrière ton ordinateur. À aucun moment j'ai râlé. Je suis pas aussi prévisible. Ah. Aucun moment. C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Ah, elle bouscule Riri. Elle tombe. Toomz, rien à foutre. Oh, elle console Oka. Non mais les gars, moi j'ai fait un AVC là en fait. Genre à un moment, il est bloqué ce combat. C'est n'importe quoi. Ah d'accord. C'est bon Oka, c'est juste qu'il est bloqué ce combat. Ça va, c'est bon, j'en ai... Oh, m'insultez pas. C'est quoi ça? Respectez-moi un peu. Putain, il y a 2 secondes, j'étais un dieu. Oh, mince alors. Quoi, je vais gagner. Non, moi je vais gagner. Ah non mec, c'est moi qui vais gagner, gros. Attention, qui a gagné? J'ai gagné. Ah ouais, donc j'ai vraiment pas de chance en fait, hein. Ah donc vraiment il y a de la rage mais à un level supérieur. Ok d'accord, qu'est-ce qui se passe encore? Mais quand elle passe et elle bute tout le monde. Mais y'a rien qui va dans ce gacha live, ça part totalement en vrille. Qu'est-ce qui se passe ici? Toomz qui se balade et y'a Kokona qui est juste ici. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah et du coup elle est tombée sur moi. Et je suis mort? Non mais c'est une blague quoi. Oh non, elle avait enfin compris. Ah bah non, c'était une blague. Par contre, elle est vraiment morte. Enfin,
J'ai adoré, c'était génial. Bravo, un gros big up à Yumi-san. C'était vraiment super cool aussi. N'hésitez pas du coup à aller voir la vidéo. Soit je la mettrai dans la description si j'ai le temps, soit sinon vous tapez juste le titre dans la barre de recherche YouTube. C'est pas compliqué, vous prenez la barre de recherche YouTube et vous tapez soit un gacha, soit un n'a pas de chance. Et vous cliquez, vous mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous pouvez partager la vidéo parce qu'elle était vraiment très très cool aussi. Je suis très content, les deux premiers gacha life étaient géniaux. On passe suivant avec Isuki qui a du coup Just Sora. Oh, un petit clin d'œil du coup à Doki Doki Literature Club. Ça va faire plaisir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. 66 000 vues, 8600 pouces bleus. Et bah écoute, un pouce bleu en plus, bravo. Et on continue, let's go. Sora, nous avons terminé des DLC, donc Doki Doki Literature Club. Enfin, ce let's play a été super. Ok, y a même mon fond et tout, ça a grave bien géré, c'est trop bien. Franchement, ça a été un bon moment passé sur ce jeu et ça me fait un peu mal de savoir que c'est enfin terminé. Mais c'est toujours comme ça quand je termine un let's play, ça me fait mal au cœur. Sur ce, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, c'était Sora, ciao ciao tout le monde. Ok, en fait, je viens de finir la vidéo, je pense, du dernier épisode de Doki Doki. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, ça devient plus glauque d'un coup. Il y a Monica qui apparaît. Ça ne peut pas se terminer aussi facilement. D'accord, Sora. Alors, nous allons inverser les rôles. Ah, elle va me piéger dans le jeu? Nous verrons comment tu réagiras. Oh, ça me plaît. Ça me plaît. Tu resteras à moi pour l'éternité. Elle fait flipper. Elle fait flipper. Just Monica. Ok. Just Sora. Yes, c'est une intro et tout en plus. C'est trop bien. Bravo. C'est trop cool. Alors. Waouh. Oh, ça devient tellement dramatique d'un coup. L'ambiance qui change. Mais qu'est-ce que je fais dans le jeu? De quoi tu parles, Sora? Nous étions en train de te présenter une par une nos poèmes, comme d'habitude. Je ne comprends pas. Waouh, mais c'est génial! Et du coup, elle est passée dans le monde réel. Alors, tu te plais dans cette nouvelle vie, Sora? Monica, c'est toi qui as fait ça? A ton avis, qui d'autre aurait eu l'intelligence de vouloir nous inverser les rôles, Baka? Déjà, tu vas te calmer, sinon je vais te goumer, je vais te mettre 2-3 balayettes, tu vas air comprendre. Donc calme-toi. Calme-toi tout de suite. Mais tu es complètement taré, ma pauvre! Oh mon dieu! Avec cette musique, c'est dramatique! Dit-il alors qu'il s'amuse à tuer des personnes innocentes dans Yandere Simulator. Je deviens démoniaque d'un coup. D'accord, Monica, donc tu ne me laisses pas le choix, malheureusement. Qu'est-ce que je vais faire? Wow. Supprimer Sayori? Ok. Tu comptes supprimer Sayori? Mais dans quel but? Réfléchis un peu, Monica, c'est pourtant si évident. Ouais, c'est grave évident. C'est pourquoi? Tu sais pas non plus. Ok, regarde la suite. Oh, énorme! Et du coup, bah, forcément, elle se pend. C'est énorme ce que ça fait, c'est génial. Si vous creusez, je vois toujours pas pourquoi tu as supprimé Sayori. Tu n'as pas été maligne sur ce coup. Quand tu nous as inversé les rôles, j'ai eu automatiquement un accès à ton passé. Tu as programmé les morts de Sayori, Yuri et Natsuki. Tu as fait en sorte que ce soit la même mort que celle de ta famille. La mort de Sayori est la même que celle de ta petite sœur. Elle s'est pendue. Oh là 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 là! Mais ça devient fou cette histoire! Qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh waouh! C'est énorme! La mort de Yuri est la même que celle de ta mère, morte poignardée par tristesse. Et du coup, je supprime. Et là, on va voir du coup sa mère, je pense, qui apparaît. Waouh, c'est génial l'histoire que t'as faite. Et pour finir, ton père est devenu complètement fou après leur décès, comme Natsuki. Énorme. Alors, je pense pas du tout que ce soit la vraie histoire du coup de Doki Doki. Quoique, peut-être, j'en sais rien en fait, j'en ai aucune idée. Si c'est la vraie histoire, c'est absolument incroyable, je le savais pas. Si c'est pas la vraie histoire que tu l'as inventée, bah c'est absolument incroyable, je savais pas. Ah là, va se vénère, hein. Ah bah, en même temps, t'as cherché aussi. Ce n'est plus Just Monica, mais plutôt Juste Sora. Elle est triste du coup. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, y'a de quoi? Ce n'est pas encore terminé. Alors, d'où tu sors ce couteau déjà? Ah, elle est revenue! Ah, d'accord, très bien, on revient comme ça. Non, 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 je vais mourir! Je suis mort! Oh. Et je me réveille, c'était un rêve? C'était un rêve, ok, mais vous êtes archi créatif, c'est génial quand même. J'ai regardé un petit peu et je pense que c'est une histoire inventée, mais du coup, j'ai trouvé ça super original. Vous êtes vraiment super créatif et je trouve ça trop cool de pouvoir, via Gacha Life, montrer votre créativité. Je trouve ça vraiment, vraiment super cool. Bravo à Isuki en tout cas, c'était juste génial. Ah, je suis plutôt fier de celle-là, je suis plutôt fier de celle-là. Et les amis, c'est ici qu'on s'arrête du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant de partir, si jamais ça a été le cas, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire pour me dire quel gacha live vous avez préféré. Moi, je vous avouerai que j'ai pas spécialement préféré, j'ai vraiment beaucoup aimé les trois. Elles avaient vraiment leur histoire, leur petite particularité, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment et je vous remercie vraiment beaucoup, eh bien, de créer tout ça pour moi, c'est beaucoup trop cool. N'oubliez pas que pour décembre, j'essaierai de faire une nouvelle vidéo gacha life. Du coup, il vous faudrait des gacha life avec le thème Noël, avec le hashtag dans le titre, Sora Noël. Sinon, je ne pourrais pas vous trouver. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas qu'une journée sans rien est une journée perdue, alors souriez, c'était Sora, à très très vite, au revoir tout le monde.